Hey yo! What's up tout le monde? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de très bonnes nouvelles qui concernent Destiny, notamment le prochain DLC. Alors à la base, ce DLC devait s'appeler Comet. Aujourd'hui, on en connaît le nom, enfin aujourd'hui même depuis quelques semaines, on en connaît le nom. Il s'appellera The Taken King. Alors The Taken King en français, on peut le traduire comme le roi destitué ou le roi volé en gros. L'idée est que le roi aura perdu son titre. Alors le roi, on ne sait pas vraiment qui c'est, bien évidemment. Toujours est-il que voilà, il y a un plan marketing de Red Bull qui a leaké ce prochain DLC. Donc ces images ont été publiées par PlayStation Australie hier, donc sur Internet. Alors on en parle un petit peu partout, hein, sur Reddit, etc. Sur les sites américains, ça fait vraiment, vraiment le buzz. Donc vous voyez tout simplement cette image. Donc on voit très bien Destiny The Taken King en bas avec un site Internet. Alors j'ai été faire un tour dessus, pour l'instant il n'y a vraiment rien, le site Internet n'existe pas. C'est sûrement un plan marketing qui verra le jour dans les prochaines semaines. Enfin voilà, vous pouvez voir aussi sur ces canettes, donc en fait il y aura des codes à remporter pour pouvoir gagner beaucoup plus d'XP lors de la prochaine extension. Alors je vous l'ai dit, c'est un plan marketing, la photo a été prise en Australie, je ne sais pas si ce système va arriver en France. Il y a une deuxième image qui est parue, toujours sur ces mêmes boîtes hein, de canettes Red Bull. Alors vous voyez avec une image, on voit un homme dessus, donc sur Reddit en fait j'ai lu que c'était un streamer assez connu sur Destiny. Alors je ne vois pas qui c'est, important, j'ai suivi pas mal de streams sur Destiny, mais je vois vraiment pas qui c'est. Voilà, puis on voit toujours avec le site internet en haut. Et petite chose, il y a le spectre où il est écrit Gateway, donc ça pareil, je l'ai vu sur Reddit, sur le site Reddit. En fait, Gateway, c'est tout simplement une zone du Cosmodrome. Donc je vous mets le screen à l'écran, vous voyez en bas à droite, The Gateway, voilà. Est-ce qu'il y aura un rapport entre les deux? Je ne sais pas du tout. On en saura sûrement beaucoup plus dans les semaines à venir, vous le savez maintenant que à l'E3, Activision a annoncé qu'en fait il y aura la présentation du prochain DLC, enfin d'une prochaine extension qui concerne Destiny, donc on espère du prochain DLC. On en saura sûrement plus mi-juin, voilà, je vous laisse les potes, j'espère que cette nouvelle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!